c'est Frédéric de Gueldt, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire paraître L'œil du prince aux éditions J'ai lu. Quel beau titre, L'œil du prince. Ah oui, puis c'est un titre secret, parce que c'est un terme de théâtre, L'œil du prince. C'est dans une salle de spectacle, l'endroit exact qu'on appelait la place du souverain, où on voit tout sans angle mort. Donc par extension, c'est l'œil du lecteur. Alors c'est un roman où vous avez écrit des destins croisés, en fait. Eh bien, l'histoire, c'est qu'il y avait une nouvelle qui s'appelait Un pur hasard, qui est à l'intérieur du livre, et qu'autour de cette nouvelle se développent d'autres destins, et tout est entrecroisé. En fait, au début, on peut penser que c'est un recueil de nouvelles, et pas du tout. À partir de la quatrième, on commence à faire des liens, et tout s'explique dans la cinquième. Qu'est-ce que vous comptiez raconter à travers ces destins ? Je crois que quand on est dans un destin, puisque chacun de nous est dans un destin, on n'a pas de vision de ça. Et on n'a pas de vision des hasards, on n'a pas de vision de ce qu'on reproduit de nos vies passées, de choses comme ça. Et là, on peut le voir. C'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup comprendre comment ce qu'on appelle le hasard, si on y croit, et même si on n'y croit pas, a présidé à ce qui nous arrive. Donc voilà, je reçois beaucoup de lettres de lecteurs, et il y a une femme l'autre jour qui m'a expliqué qu'elle a épousé le fils de l'homme dont sa grand-mère était tombée amoureuse, mais avec qui elle n'avait pas pu être. Formidable histoire. Formidable histoire. Mais il y a des hasards heureux, des hasards malheureux. Il y a les deux. Et des hasards qu'on sait saisir également. Oui, si on en a envie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez une intuition forte, mais l'intuition, elle n'est pas forcément plus forte que les choses que vous devez respecter dans une vie. Parce qu'on vous apprend à être d'une certaine façon. Donc là, ça se passe sur plusieurs époques, et avec cinq genres littéraires différents. Donc vous savez que le journal, il y a beaucoup d'êtres humains qui écrivent, qui ne publient pas forcément, mais on a tous ce besoin de nommer les choses. Donc il y a le journal d'une jeune fille de 17 ans, il y a le carnet de voyage d'un homme qui a perdu sa femme très jeune, il y a la correspondance amoureuse de deux résistants pendant la guerre, les pensées d'une vieille femme qui revient sur sa vie et qui se demande des choses sur les hommes qu'elle a aimés et sur tout ce qui s'est passé. C'est elle qui fait le lien avec tout le monde. Voilà, il y a différentes formes de récits dans ce livre qui permettent de mettre des mots sur ce qui nous arrive. Et donc il est question d'essayer de comprendre la vie, de comprendre les relations amoureuses. C'est un vaste programme. Oui, on ne comprend jamais quand c'est soi, on comprend quand c'est les autres. Mais parfois, les livres font miroir, et c'est pour ça qu'on en a besoin. C'est parce que tout d'un coup, on regarde des héros et des personnages agir, on se dit, mais tiens, c'est bizarre parce que moi aussi, j'ai ça. Et notamment, les Israéliens ont fait une étude sur le cerveau, et quand on lit, la zone du cerveau qui s'active le plus, à part celle de la lecture évidemment, c'est la zone de la mémoire. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de faire des allers-retours entre ce qu'on est en train de lire et ce qui nous arrive à nous. Je suppose qu'ici, sur la foire du livre de Brive, il y a de belles discussions avec les gens qui viennent devant votre stand. C'est toujours très émouvant. Je reçois beaucoup de courriers et je suis très émue des courriers que je reçois parce que, comme vous le savez, la vie dépasse largement la fiction. On a beaucoup de leçons à prendre de la vraie vie, et malheureusement parfois on ne peut pas copier la vraie vie parce que on nous dirait il est romancier, il a exagéré, franchement c'est tellement plus énorme. Alors là, je dois dire que je me suis un peu lâchée sur les hasards. J'ai dit bon, eh ben tant pis si c'est énorme, de toute façon dans la vraie vie il y a des hasards énormes, alors tant pis si on me dit que j'ai exagéré, voire même beaucoup plus énorme, oui, que ce qu'on Absolument. Aurait pu écrire. Merci beaucoup Frédéric de Gueldt, L'œil du prince, donc aux éditions J'ai lu. Je vous souhaite une très belle suite de la foire du livre à Brive. Merci beaucoup. Au revoir.